Lui s'est arraché. Hein. J'arrive pas à y croire. Gus était quelqu'un. Je dérange peut-être. Jamais, commissaire. Gus est libre, je t'apprends rien. Parce que j'en ai à foutre de ce rital. Il pense peut-être pas pareil. Il m'en l'air. Alors, vieux frère, on se fait avoir par des blancs becs. Qui viendrait d'après vous? Alban et Gus. On approche. S'ils viennent, je vous mangerai pas de dinde à Noël. C'est là, 50 mètres. Vous ne suivez pas. Pourquoi Gus a-t-il reculé? L'instinct. Ou la trouille. Il faut que j'aille en Italie. Ici, la mentalité a trop changé. Il me faudrait une petite maison indépendante. C'est pour cacher Gustave Menda. Pour son passeport, je m'en occupe. Les amis lui demandent s'il veut toucher 100 millions avant de quitter le pays. C'est pour quand? Dans quelques jours. Tu peux engager ma parole. Gus a des idées anciennes. Même quand il était cuit. Et je réponds de lui comme de moi-même. Antoine se placera pour flinguer le premier motard. Tu les connais bien, tes calibres? T'inquiète pas, petit, ça ira. Comment tu fais? La chance. Il est riche maintenant. Il est seul. Tout peut arriver. Sors pas tes mains ou ta gueule saute. Voilà Gustave Menda, il a participé à l'affaire, il vient de donner Venture Ricci. C'est pas légal! Si, c'est légal, tout est légal. Je suis innocent, reconnais personne, entendu personne. Guy ne m'a pas supporté que les gens les croient capables de ça. C'est ta réputation qui va en prendre un coup. À mon avis, il est tombé dans un piège. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu t'occupes de Guy. La meute et tous les avocats de la ville, ça va coûter un peu cher, faites-moi confiance. On va le modifier, ton petit caractère. Je peux pas tolérer ça, y'a rien à faire.